Salut tout le monde, c'est Trop Forestier, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Corentin et Théophile. Donc aujourd'hui, on est au camp Bushcraft, comme vous pouvez le voir. Donc actuellement, on a fini de manger, bon c'est encore un peu le bordel. Il y a le paquet de chips. Et on a fait un tour du feu avec des pierres pour protéger parce que ça commence à prendre sur les côtés. Et on a mis deux Y de chaque côté du feu pour pouvoir mettre après une barre qui passera ici. Voilà, pour après suspendre une popote. Ouais, c'est Corentin qui l'a fait, il est tout content, voilà. Donc, pour ceux qui me demandaient des nouvelles de la toute première cabane qu'on a faite, elle va super bien. On a rajouté 2-3 branches de sapin sur un côté pour que ça soit un peu plus imperméable. Bon, il y a une branche qui s'est croûtée parce que tout à l'heure on a fait un peu les cons sur l'arbre qui est là, on a un peu sauté dessus. Voilà. Donc voilà. Donc le tapis de mousse à l'intérieur est encore bon et c'est encore un peu après imperméable, un peu au-dessus là faudra peut-être un peu reboucher, mais sinon ça va. Après l'ensemble du camp va plutôt bien, sauf la cabane de Théophile et de Robin qui est un peu partie en steak. Voilà, avec tout un tas de branches posées à l'arrache. Et voilà les deux cinglés avec leur hache. Bah ouais mec. Non mais c'est le taré là dont je parlais, regarde-moi ça. C'est un malade. Tu te calmes Théophile tout de suite. Non. Et une petite nouveauté. Vas-y rentre, c'est ça. Petite nouveauté sur la cabane. Si vous avez pas vu la nouvelle cabane, voilà. Donc voilà. Bon, une petite nouveauté, on peut y mettre des têtes à travers. Tu peux enlever ta. Y a que la mienne. On a fait une porte. Attends, donc, j'enlève mon pull. Ouais. On a fait une porte avec des branches de sapin tressées. Donc on l'a pas encore totalement tressée, mais ça marche plutôt bien. On a creusé un peu pour que la porte puisse passer. Par contre là, ça part un peu en steak, ça veut plus se remettre, voilà. La charnière, parce que on a mis du fil de fer, vite fait, ça tient pas très très bien. Et là, bon là il y a ma radio qui marche encore, excusez-moi. Voilà. Donc là actuellement, moi j'ai déjà préparé mon matelas, le petit matelas des familles. Et la réserve de bois est prête pour ce soir, pour pouvoir servir de radiateur. Ouais, on va dormir ici ce soir, c'est la grande nouvelle. Ouais. Dans la nouvelle cabane. Avec une bonne petite réserve de. On a pris du hêtre parce que le hêtre, ça fait presque pas de fumée. Ça crame. Ouais, ça crame bien. Et les braises durent assez longtemps et elles sont plutôt chaudes. Donc voilà, c'est un net avantage. Comparé au sapin qui brûle très très vite et qui fait énormément de fumée. Petite info, quand on est là-dedans, on est carrément enfumé. Hein, là, il n'y a pas un seul moustique à 10 mètres. Hein. Il fait très bon. Ouais, puis en plus, il fait chaud, c'est cool. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va un peu glander parce que, vu que c'est la première fois qu'on dort dans le nouveau camp là, on va presque rien foutre. Je vous tournerai 2-3 vidéos pour vous montrer ce qu'on a fait de nouveau dans le camp. Et je tournerai aussi 2-3 vidéos sur la nouvelle scie. La scie Baco et d'autres objets en tout genre. Voilà, à tout à l'heure. Là on a fini de manger depuis très très longtemps. Donc au menu 4h, c'est l'heure de goûter, on mange des pâtes hein. Au menu on a mangé des merguez et des pâtes et également du jambon. Ce soir on sait pas qu'est-ce qu'on va manger. On va peut-être pas faire de feu. Bon, c'est déjà fait mais pas le dire. On sait pas si on va pouvoir faire du feu pour pouvoir manger parce que c'est un peu sec, il y a pas plu depuis au moins une semaine, un peu plus. Ouais donc c'est un peu sec. Donc là on a été chercher 2-3 amadou pour pouvoir essayer de faire de l'allume-feu. Donc le mien était pourri, celui de Corentin était incroyablement dur, impossible à exploser. Donc c'était un peu chaud. C'est légèrement le bordel ici, c'est impressionnant. On n'a rien rangé du tout. J'ai fondu mon assiette. Ouais, j'ai fait fondre une assiette en allume. Parce qu'en fait, notre four, vu qu'il est confiné, la chaleur reste. Enfin, la chaleur est plus haute. Et donc, en fait, les assiettes en alu, je crois que c'est 700 degrés l'aluminium, non?
ils font à 700 je crois, ouais, bah voilà. Donc attendez, je vais juste couper la radio parce que... Donc voilà, on l'avait mis dans le four pour pouvoir enlever toutes les merdes qu'il y avait dessus parce qu'il y avait plein de trucs collés. Et malheureusement, bah, il y a eu un petit problème. Toute la partie de l'aluminium a fondu puis elle est venue se rabattre là. Donc, je l'ai vu seulement à la dernière minute. Celle-là, elle a pris un coup de chaud mais ça va. Voilà, donc ne faites surtout pas ça avec de l'alu. Surtout quand c'est un feu à très haute température. Voilà. Donc on a déjà commencé un... Bah, Corentin, il a installé son matelas avec son hamac par-dessus. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a mis son hamac. Il va le dégueulasser, mais ça, c'est son problème. Moi, j'ai mis un sac, enfin, un matelas gonflable qui ne gonfle plus. Il a été percé. Donc voilà, je suis dans la merde. donc, je pense que je vais juste dormir comme ça avec le matelas. Juste, bah là, il est pas totalement déplié. Et puis j'ai pris aussi un sac à viande en plus du sac de couchage. Donc c'est une sorte de surfin qu'on met, c'est ce qu'on met à l'intérieur du sac. Donc c'est tout léger, c'est tout petit, c'est une sorte de, enfin c'est en coton. Et voilà mon sac. Donc ça, il tient jusque moins un œuf, donc ça passe quand même. Donc voilà la troupe d'imbéciles qui faisait le bordel derrière moi. Des pâtes sèches, bien sûr. Non. Et donc là, on a fixé une petite lanterne pour pouvoir éclairer toute la cabane. Bon, ça marche pas très très bien parce que elle est un peu faible. Elle est faible, mais ouais. Bon, vas-y, présente-leur la tienne, Coco. Pousse-toi. Donc, c'est pas sûr qu'elle soit rechargée parce que Corentin ne recharge jamais rien. Si, elle est chargée. Elle est chargée. Donc elle se gonfle ici, elle est imperméable, mais bon. Elle a été percée parce qu'il a fait l'idiot. Non, je sais pas fait l'idiot, je sais pas. Tu l'as fait tomber. Ouais. Donc voilà, ça se gonfle. Ok, un petit. Vas-y, montre. Et ça. Il y a un petit loquet là, vous le soulevez. Comme sur les matelas gonflables, quoi. Puis et vous la gonflez. Pour qu'elle prenne un peu plus de volume. Deux petites sangles. Montre, ici. Montre un peu pour. Enfin, comment elle est sans. Donc voilà, dans le sac, elle fait ça. Donc ça fait, c'est super c'est léger. C'est hyper léger. Ça doit faire dans les 50 grammes. Oui, à peu près. Là, il y a un petit panneau solaire avec un interrupteur tout con. Voilà, donc sous un film plastique. Allume pour voir. Donc on a une lumière, bon, on voit pas très bien parce que on doit avoir une deuxième lumière plus forte et un clignotant. Voilà, donc c'est plutôt complet. C'est quoi la marque pour voir? Alors la marque c'est énergétique. Bah vous pouvez le trouver par exemple dans l'Intersport. Oui, je pense que ça doit se vendre, Décathlon, tout ça. Ouais. Ah, mais c'est pas mal parce que ça coûte pas cher, puis elle est plutôt bien compacte. Comme non, puis quand on fait noir, ça ouais. Lui, vachement bien. Vas-y, montre. Ah, elle éclaire déjà mieux que la mienne. Ah, c'est pas mal. Puis elle a un net avantage, c'est qu'elle est du coup imperméable. Bon, je retrouve tout à l'heure. Les gens, donc là on est actuellement là dans la cabane. Donc là vous pouvez voir Corentin, bon, c'est assez sombre, attendez, je vais juste vous éclairer. Donc là on peut voir Corentin. Donc il est à droite du petit four. Moi je suis à gauche. D'ailleurs on va avoir chaud cette nuit. Là il y a juste Théophile. Derrière, enfin à côté de la réserve de bois. Et là les rations de la petite ration. Donc là actuellement. On va rien foutre, je pense qu'on va veiller. Puis là à l'arrière c'est un peu le bordel. Comme vous pouvez le voir, il y a mon sac. Il y a mon sac à viande que je dois mettre en plus du sac de couchage. Puis bah là on va aller dormir. Je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Heureux tout le monde, donc là on a fini de dormir. Bon, c'était plutôt. Risqué comme nuit, mais ouais, c'était bien. À dehors il faisait froid, mais à l'intérieur on était cool, c'était ouais. Tranquille, ouais. Donc là actuellement on range nos affaires, notre bordel monstre. Bien sûr on va fermer la porte à clé. Et Corentin est en train de ranger sa hache et tout le bordel. Teufil il l'a déjà fini. Et là on va redescendre à pied, bah je pense qu'on va prendre bien notre temps à faire une petite marche tranquille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tourné une vidéo pendant cette sortie bivouac. J'ai tourné une vidéo sur la scie Fiscard qui est juste ici. Donc je pense qu'elle sera publiée avant cette vidéo là. Donc je mettrai un lien dans la description de cette vidéo là
pour la vidéo de la scie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à lâcher un com. Dites-moi ce qui vous a plu dans ce camp, comment vous pourriez l'améliorer. Et si jamais vous voulez venir faire un bivouac ici, bah on vous donnera les coordonnées pour pouvoir venir. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss! The sun in my life, it is dead, it is dead. Where is the light that would play in my streets?